Salut tout, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Kingdom Come Deliverance, le 11e épisode, et nous cherchons les charbonniers. Depuis Neuilhoff, j'ai fait un poil de balade pour arriver jusqu'à chez eux. Et après, on ira voir le campement de bandits qui est un peu plus au sud. Bonjour. Que Dieu vous accompagne. Je cherche un garçon d'écurie de Neuilhoff. Alors pourquoi vous n'allez pas le chercher là-bas? Il a disparu, et les gens racontent qu'il est allé voir des charbonniers. Eh bien, il n'est pas venu ici. Vous allez devoir tenter votre chance ailleurs. Que Dieu vous accompagne. Mince. Si vous voulez poser des questions, venez me parler et laissez les autres tranquilles. D'accord. Bonne journée à vous. Vous pouvez m'aider? Tout dépend de ce que vous voulez, non? Je suis à la recherche de Rouquin, un palefrenier de Neuilhoff. On dit qu'il s'est enfui et qu'il a rejoint des charbonniers avec qui il avait pour habitude de traîner. Désolé, mais il n'y a jamais eu un type surnommé Rouquin par ici. Vous feriez mieux de chercher ailleurs. Alors, vous n'avez pas idée d'un autre endroit où il aurait pu aller? Vous m'avez dit qu'il était ami avec des charbonniers. Vous les trouverez sûrement dans la forêt entre Neuhof et Usis. Il y a de bons coins par là. Mais cette forêt est immense. Je pourrais passer des semaines à chercher. Dans ce cas, suivez la rivière. C'est comme ça que vous nous avez trouvés, non? Là où il y a des charbonniers, il y a toujours de l'eau pas loin. Ok. Bon, on peut tenter d'insister, mais... Un meurtre a été commis à Neuhof. Et ce garçon sait sûrement qui l'a commis. C'est d'une importance capitale. Ce ne sont pas les meurtres qui manquent ces derniers temps. Mais je vous assure que ce Rouquin n'est pas venu ici. Quand j'aurai amené ces vermines à la justice, il y en aura beaucoup moins. Alors pourquoi ne pas m'aider? Bon Dieu, mon gars, calmez-vous. Personne correspondant à cette description n'a mis les pieds ici. Mais je vous le dis encore une fois, il y a d'autres charbonniers. Allez les voir. Vous feriez mieux de vous dépêcher. Vous n'êtes pas le seul à le réclamer. Ah. Et les autres n'avaient pas l'air aussi commodes. Même s'ils se sont montrés généreux. Ils n'ont pas dit pourquoi ils le cherchaient par hasard? Non. Mais il n'avait pas l'air de vouloir l'inviter à un banquet. Je vois. Bon, dans ce cas, je vais aller demander ailleurs. Adieu. C'est un bon chien. C'est un bon tout. Alors, en maître chien... Je sais pas à combien il faut que j'avance... Niveau 3 minimum pour avoir des premiers atouts. J'ai jamais vu d'ours dans ce jeu, donc je sais pas s'ils en ont rajouté dans le même DLC que celui qui débloque les chiens, ou si jamais c'est juste des histoires. Ah là là. J'oublie que c'est X la touche pour les animaux. Et je fais E à chaque fois. Donc les bandits sont censés être plus au sud. De ce côté-là de la rivière. On va finir à pied et on va boire un schnapps sauveur. Faire mesure de sécurité, une décoction de soucis pour regagner un peu de santé. Ah, il y a une baraque abandonnée. Que j'ai toute mon armure. Oui, gentil chien. Au pied, cabot. Ah, il y a la cabot. Attends-moi ici. Sagement. Hein? Reste ici. Il y a un bandit. Ah, j'ai pas de crochet pour tenter le coffre, mais... Il y a deux bandits. On va contourner. Qu'est-ce que c'est?
Sonnez l'alerte! Attention! Hop, toi tu ne parles plus. Hey, ah ah, arrive, allez, viens! Amène-toi. Il sera super. Attention. On va s'en débarrasser. Mince. Alors qu'est-ce que j'ai en épée? Belle compagne. Elle serait moins bien. Très bien. Il y a quelqu'un? Ah, c'est de la réveiller. Qu'est-ce que c'est? Par ici! Qu'avons-nous là? Où est-ce qu'ils sont tous passés? À la bonne heure! Vite! Hé, vous tous, venez ici! Il y a un homme mort! Oh là là, c'est pour ça que je l'avais assommé lui. Eh bah ben voilà. C'est pas grave, on va pouvoir retenter. Donc il faudrait non seulement que je l'assomme et que je le tue. J'ai vu qu'il avait une bonne armure, donc je me suis dit, lui je préférais l'avoir. Qui va là? Cabot. Astis. Attends-moi ici. Qu'est-ce que c'est? Ah, il s'est levé. On va faire le tour par l'autre côté. L'avoir discrètement. Vous êtes qui? On va s'éloigner un peu, pas être embêté. Ça me fatigue. On va le déposer là. Hop, on va le tuer. J'espère qu'il se réveille pas cette fois-ci. L'argent, je prends. On va laisser les trucs qui ont moins de valeur. Et on va transférer. Cheval. Je vais quand même garder l'épée de bourgeois parce qu'actuellement c'est celle qui est avec laquelle j'ai les meilleures stats, même si elle est un peu trop. Demande une agilité un peu trop haute pour moi. Y a-t-il personne? Si. Personne, on va l'éliminer. Hop. Alors, Robert court ordinaire, c'est encore plus lourd que ceux que j'avais déjà. Ça va. Tu es au mauvais endroit, au mauvais moment. Rosa, par ici, vite! Oh.
vous tous, venez. Je vais te massacrer. Oh, je vais me faire buter. C'est tout. Urva. Mon Dieu. Tu vas le payer cher. Viens par ici, pleutre. Amène-toi. Je joue pas du tout fair play. Je suis dans une trop mauvaise posture pour jouer autrement. Oh, ça c'était un beau tir. Bandage. Je saigne encore. Rebandage. Ça n'a pas beaucoup de valeur, on va s'en débarrasser. Ah, elle est cassée, je viens de ramasser les flèches cassées. J'ai quand même envie d'avoir ma revanche sur cette gars. Bon, bien revenir au campement un jour ou l'autre. Non, c'est pas ça que je vais faire. C'est ça plutôt. Si j'ai pas les deux, tant pis, mais j'aimerais bien en avoir au moins un des deux. Je l'ai bien perdu de vue. Par ici. Vous n'avez pas vu des bandits par hasard? Sinon je me vengerai une autre fois quand je passerai. Ah, il y en a un qui est mort. Chaîne, quelques trucs qui ont un peu de valeur. Mince, il faut que je monte sur le cheval, pas que je l'examine à chaque fois. Bon, on va laisser tomber pour l'autre. Le campement des bandits, il était par là. Je pense que si je continue très loin, je vais finir par arriver jusqu'à Raté. Non, j'ai pas besoin de mon arc, juste ça. Et après, je pense que j'ai profité d'une bonne nuit de sommeil. Dans l'obscurité, on dirait que je saigne de plus en plus, alors qu'en fait, a priori, j'ai toujours autant de vie. J'ai 8 de santé. Est-ce que j'ai encore de l'équipement volé? Oui,
Et bien ça, on va le déposer dans mon coffre parce qu'aucun commerçant n'en voudra. J'aurais peut-être dû traverser. Je me demande si ma santé n'est pas en train de descendre, non? Toujours pareil, c'est juste la lumière du jour qui descend. Pourquoi j'ai perdu de la réputation? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pas dépêché d'aller voir les charbonniers ou... J'avais rien promis à personne. Ah, ou peut-être qu'il me prévient au fur et à mesure du temps quand je perds de la réputation. Pas tellement en fait. Alors, acolyte. Tout ça, on va le déposer dans le coffre. Alors. Garder quelques flèches. Ok. Un petit coup de dodo. J'ai peur que l'armurier est déjà fermé. On va voir si j'arrive à temps ou pas. N'empêche, j'ai réussi à lui refourguer des trucs pour pas mal de valeur. Alors maintenant, j'ai plus rien de volé, y compris d'équiper. Jamais s'il y a un contrôle des gardes. Alors c'est encore ouvert. Acolyte. On va quand même jeter un coup d'œil pour savoir s'il y a des trucs qui seraient mieux que je porte plutôt que je vende. Je sais pas dans quel état sont les miennes. De vrai, pré-recousu 60, ok. Hops. Alors, ah ça, ça vaudrait la peine que je les porte. Alors, plutôt celle pour 56 de vie, ok. Ah, ça c'est des peaux gantelets et ils pèsent pas très lourd. Protège bien les mains. Alors, hoqueton plutôt que capuche. Ok. Portez-vous bien. Merci.
Parlons affaires. Là, j'en ai pour 400 de marchandises. Avoir ta sale tronche, j'imagine que tu dois être Henri. Qu'est-ce que vous me voulez ? Le meunier t'a décrit en détail, ainsi que ce qu'on devait te faire pour te rafraîchir la mémoire. Hein ? Attendez. Je ne comprends pas. Ils t'ont remis sur pied chez lui, et quelqu'un a dû sortir de l'argent de sa propre poche. Ou peut-être que tu as perdu la mémoire avec tous les coups que t'as reçus. Bref, ne t'inquiète pas. On sait qui tu es. Je vais tout vous rendre, mais laissez-moi tranquille. T'as bien fait de revenir à la raison. À présent, remets-nous l'argent. Ok. Ah, c'est pour ça que j'avais perdu de... du contentement. J'espère pouvoir vous aider, chevalier. De la réputation, c'est parce que... parce que le meunier voulait des trucs. Alors, j'ai rien à te vendre pour l'instant. C'est sur mon cheval. Nickel. Maintenant, je peux aller dormir en paix. Ah, je suis un peu trop chargé encore. Ah ou alors faudrait que j'aille vendre la coupe en or et des trucs comme ça. Ce marchand là devrait faire l'affaire. Bonne journée à vous. Merci. Alors, et après cette transaction, je vais devoir faire une pause. Ah, il me l'achète pour pas mal, le calice. La peau de sanglier, la viande de lièvre et le vin. J'avais autre chose, je crois pas. Allez, on se retrouve au prochain épisode, une fois que je serai remis sur pied, et on ira voir les charbonniers suivants. J'espère que cet épisode vous aura plu, et à bientôt pour le suivant.